C'est pas rien quand même, hein? On en parlait en début de bulletin, le groupe Juste pour rire qui se retrouve au bord de la faillite, qui annonce une importante restructuration de ses activités. Christine, avec les détails, donc, une des conséquences là, de tout ça, notamment, Christine, c'est l'annulation du festival prévu l'été prochain. Voilà, Michel. Pas de festival Juste pour rire cet été, ni Just for Laughs, ou du moins pas dans sa forme habituelle, selon le communiqué qui a été émis par Juste pour rire ce matin. Pas non plus de Zoo Fest et plusieurs spectacles aussi sont touchés. Donc, on suspend, par exemple, ceux de l'humoriste Eve Côté, Nive, Louis T, la comédie musicale Waitress avec Marie-Ève Janvier qui devait arriver cet été. Parce que, bon, Juste pour rire, oui, est en restructuration et aurait remercié 60 ce matin, selon des informations de la presse. Les raisons qui sont évoquées, le milieu changeant des festivals gratuits, l'arrêt des activités pendant la pandémie, l'inflation et la réduction des budgets aussi des réseaux de télévision, plateformes de diffusion. Et là, Juste pour rire, espère trouver des investisseurs ou des acheteurs pour l'ensemble ou pour une partie de ces activités. Bon, déjà, il y a de nombreuses réactions, dont une très percutante de l'humoriste Martin Petit, qui en avait long à dire, lui. Oui, c'est vrai. Et il critique durement le fait que le festival Juste pour rire reçoive tant de subventions, ce qu'il écrit sur la plateforme X. Il dit 6 millions de subventions par année et des aides supplémentaires pendant la pandémie. Et voilà le gâchis final. Bizarre d'avoir vu venir ce que 12 ministres ont été incapables de constater. Pour vous mettre en contexte, après la chute de Gilbert Rozon, Martin Petit avait tenté de lancer son propre festival, le Festival du rire de Montréal, avec d'autres humoristes. Ça n'avait pas été très facile pour eux, étant donné le manque de subventions pour eux, justement.